j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour votre tirage concernant les énergies du mois de mai. On est sur un tirage général, il y aura un tirage sentimental qui viendra par la suite. Je vous informe dès maintenant, mes petits Verseaux, que le prochain signe, ce sera les Scorpions à venir. Attendez, j'ai un bug là. Oui, bon, le son que vous écoutez, bah, c'est I Give Love de Semio, hein, comme toujours. Vous savez que j'aime beaucoup ce son et comme il m'a fait l'amitié de m'autoriser à l'utiliser, eh ben, je l'utilise, je le surime même, on va dire. On va partir avec les murmures de Ganesh pour connaître un petit peu vos énergies, savoir un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez à me dire, les problématiques qui sont à soulever. Comme toujours, mes petits Verseaux, je vous rappelle que ce sont des guidances intemporelles, non genrées, que ce sont donc des guidances générales. Pour toute guidance personnalisée, je suis disponible. N'hésitez pas à me laisser un petit message, soit sur mon adresse email, lorlaigoldeneye@gmail.com. Tout attaché, sans tirer, sans rien du tout. Soit vous avez toutes mes coordonnées, de toute façon, à la fin du générique, ainsi que pour la musique de Semio. Je fais le tirage et je reviens. Alors, mes petits Verseaux, vous avez un super tirage. J'ai deux options. La première, c'est, à mon sens, vous êtes en train de guérir d'une situation, a priori, plutôt amoureuse qui a été compliquée. Ça peut être professionnel aussi. Et on vous dit que vous êtes en train de guérir. Donc, on vous invite à vous reposer. D'accord? On vous invite à la suite de ça, une fois que ce sera réglé, vraiment prendre du temps pour vous, de vous relaxer, d'aller vous faire masser, pourquoi pas, vous promener à la campagne, enfin, prendre du temps pour vous, partir en voyage, voilà. Pour d'autres, on vous dit que vous avez déjà fait ça, ça y est, le boulot est fait, il est clôturé, on vous dit que ça y est, maintenant que vous êtes guéri, vous prenez du temps pour vous, vous prenez soin de vous, et on vous dit que de toute façon, voilà, vous vous dirigez vers l'abondance. Ça peut vraiment encore aussi avoir une connotation relationnelle, mais aussi professionnelle. D'accord? Pour moi, il y a aussi un dernier message, c'est que des gens qui étaient vraiment dans des relations pourries, toxiques, merdiques ou conflictuelles et difficiles, vous avez mis fin à ça et en fait, vous avez une nouvelle relation beaucoup plus épanouissante qui arrive vers vous, beaucoup plus enrichissante. Ouais, quelque chose de... J'entends d'équilibré et de câlin. Ah bon? Ça se dit pas trop de câlin. Ouais, d'affectueux, de tendre, de doux. En ce moment, j'ai des énergies très douces dans les nouvelles relations, c'est chouette. J'ai beaucoup de relations pourries, mais j'ai aussi beaucoup de relations douces, donc c'est chouette. Ok, bon, et ben on va passer à la suite, qui sera avec le Dixit. Allez, avec le Dixit, donc vous voyez, j'ai des cartes qui sont tombées comme ça, donc on va commencer par celui-ci, on finira par là. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance personnalisée, mes petits Verseaux. N'hésitez pas à me contacter, je vous ai donné le mail tout à l'heure. Merci à tous mes abonnés, vraiment je vous remercie, merci à tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vraiment ça me touche énormément, j'adore échanger avec vous, j'adore, franchement c'est vraiment génial, merci beaucoup pour les likes, vraiment c'est très 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 apprécié, appréciable vraiment, pour les partages ça m'aide énormément pour tout ce qui est algorithme, vraiment, je ne vous sollicite jamais en premier, d'accord, je ne vous fais pas de retour affectif pour 600 balles et toutes ces conneries, non, moi je vous contacte pas en premier, vous venez vers moi, je vous réponds, voilà. Mais moi, je vous sollicite jamais en premier. D'accord? Allez, c'est parti. On vous parle de renaissance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, les Verseaux. Je vous disais que pour moi, il y a une belle renaissance qui vient d'arriver. Vous avez réglé un problème. Vous êtes... Voilà, vous repartez à zéro, là. Ouais, d'un truc bien pourri. Ouais, ouais, oula. Il y a peut-être eu une emprise hein, dans l'histoire, mais... Je vois emprise et harcèlement, donc ça peut être aussi au travail. J'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux. Ouais. Ok. Quelqu'un qui vous a fait douter de vous, hein. Ouais. Oh là là, oui. Oh là là, ouais. Oh, attends, vous étiez... Attendez, je vais essayer de mettre ça autrement, parce que sinon, vous ne voyez pas les cartes. Elles sont un peu grandes, les cartes du Dixit, donc des fois, on ne les voit pas. Ouais. Bon. Ouais, pour moi, vous avez pris une décision assez soudaine, en fait, totalement inattendue par la tierce en face, alors ça peut être une relation, ça peut être un patron, mais vous avez pris la décision de couper tout ça, de repartir, pour moi je vois une reconversion professionnelle, si ça concerne le professionnel, je peux voir aussi simplement une séparation, mais c'est quelqu'un qui vous a fait perdre qui vous êtes.
Ouais, complètement. Vous étiez complètement paumé. Cette personne, elle vous a toujours fait passer pour l'idiot du village, le bizarre ou la bizarre, l'original, mais toujours dans le mauvais sens. Alors, on peut aussi me parler de personnes qui sont en transition à l'heure actuelle, d'accord? En changement de genre. Quelqu'un qui va à contre-courant, en fait, vous voyez? Quelqu'un qui va à contre-courant. Mais en fait, on vous dit, c'est pas parce que une grande partie des gens vont dans ce sens-là que toi, tu dois prendre ce chemin-là. Si toi, t'es pas comme eux. D'ailleurs, on voit la petite vache, là, elle est pas comme eux. Elle a pas des grosses cornes comme ça. Elle est pas aussi large, costaud et tout. Elle est plus svelte. Bah, elle a envie d'aller dans l'autre sens et on lui dit, bah, vas-y, en fait. Et alors, c'est marrant parce que j'ai la pub du loto. Vous savez, où vous avez tout un côté qui était tout bouché, l'autre, il partait en vacances. Vous voyez, l'auto à qui le tour. Bah, c'est un peu ça, en fait. Va vers la route de ton abondance. Et si tu dois changer de genre, bah, tu changes de genre. Voilà. Alors, je mets toujours... Je vais faire un petit peu de prévention. Changer de genre, si c'est très mûrement réfléchi, si... Faites-le, bien sûr. On n'est personne pour vous dire le contraire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Mais attention aussi sur le changement de genre, tendance et à la mode, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà. Moi, je vous donne juste un avis, entre guillemets, un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Changer de genre pour être heureux, pour être enfin dans la bonne peau, dans le bon corps. Mais personne ne pourra vous dire le contraire. Personne. Personne ne pourra être à votre place. Personne ne sait ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Donc voilà, mais ça doit vraiment être quelque chose de réfléchi qu'on ne fait pas à la légère, d'accord? C'était le côté prévention. Mais en attendant, voilà, si c'est ce qui va faire que vous êtes heureux, que vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre vie, bah go quoi, franchement. Et même si vous n'êtes pas comme tout ça, c'est pas grave ça, ça on s'en fout, on s'en fout. Ça peut être quelqu'un en coming out aussi qui se rend compte que finalement, bah soit cette personne aimait les filles, finalement aime les garçons, soit aimait les garçons et finalement préfère les filles. On vous dit, mais ça c'est ok en fait. Il faut que ce soit en accord avec toi-même. Il faut que tu sois toi-même. C'est le plus important en fait. Ça peut concerner, alors a priori j'ai des signes plutôt de feu ou d'eau. Ouais, de feu ou d'eau. Donc, bélier, lion, sagittaire, cancer, scorpion, poisson. Bon, bah, vous êtes un signe d'air, donc voilà. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, une amie très proche, un ami très proche. On vous avertit quand même sur... Hein, je vous ai fait le message de prévention, mais on vous le redit là. Hein, on vous dit, ne faites pas ça sur un coup de tête. La transition, je parle. On ne fait pas ça sur un coup de tête parce qu'on pense qu'on va être accepté dans un groupe. Hein, d'accord? C'est important. Hein, c'est vraiment le... En général, quand je vous fais des messages de prévention, c'est parce qu'on passe le message. Hein, En général, ça se recoupe. Hein, d'accord? Ouais. Et on me dit aussi, attention aux consommations. Attention aux consommations, alors principalement de boissons. Alors j'ai deux types de boissons, j'ai les boissons à base d'alcool et j'ai les boissons énergisantes. Bon, voilà, on me dit attention parce que c'est pas bon, c'est toxique, hein. C'est addictif et vous allez tomber, vous allez vous perdre en fait, vous allez sombrer. Et j'entends aller vers la lumière. Je sais pas si ça vous parlera. Aller vers la lumière. Bon, ok. J'ai un message tout particulier pour les passeurs d'âmes qui s'ignorent un peu. On vous dit que si vous commencez à avoir des entités, que vous savez pas comment faire, dites-leur d'aller vers la lumière. Voilà. Dites-leur d'être en paix. Dites-leur d'être en paix et d'aller vers la lumière. Bon, ben voilà. Je vous transmets. Allez, on passe à la suite avec le Golden Love. Allez, c'est reparti, mes petits versos. Amour véritable, discussion, stabilité, blessure, rencontre et légèreté. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, c'est le bordel. Attendez, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. Ok. On vous dit qu'il y a un amour véritable qui a possiblement été arrêté, qu'il va falloir qu'il y ait des discussions qui soient mises en place pour retrouver une stabilité, une réconciliation. On vous dit que cet amour véritable, il s'est arrêté à cause des blessures de chacun.
Bon, là, on peut être possiblement dans une relation, un contrat d'âme, un peu tumultueux, type flamme jumelle. On vous dit que depuis cette rupture avec cette personne, il n'y a eu que des rencontres légères. On vous dit aussi qu'il y a des rencontres plus. Alors, il peut y avoir une consommation de rencontres légères, il peut y avoir aussi simplement un conseil dans le fait d'apporter plus de légèreté dans vos relations, c'est-à-dire peut-être pas vouloir vous mettre en couple tout de suite, au contraire, prendre le temps pour bien jauger, pour savoir où vous allez et voir s'il y a un amour véritable qui se met en place. Et là, je sors du cadre du contrat d'âme, hein, d'accord? Ça peut être pour n'importe qui. On vous dit de toute façon de toujours bien privilégier la discussion dans votre couple parce que ça peut être une problématique, la communication. On vous dit qu'il faut toujours que vous vous affirmiez, que vous disiez ce que vous ne voulez pas, que c'est très important et que c'est aussi là la clé de la réussite. Communiquer. Il y a une sorte de communion qui se fait quand on communique. Parce qu'on vous dit que les gens en face, ils peuvent pas deviner. Hein. Ok. Ouais, on vous dit que vous en avez peut-être marre aussi des rencontres légères et que vous souhaitez un peu plus de stabilité, que vous avez envie de rencontrer l'amour véritable, mais on vous dit que vous avez encore des blessures à soigner. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, hein, bien sûr que non, mais ça veut dire que vous avez quand même besoin de vous prioriser encore un petit peu avant de réellement penser à rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas se présenter, hein, c'est pas ça. C'est simplement qu'on vous dit qu'avant de faire une rencontre, ce serait bien que déjà vous avanciez vous de votre côté sur votre parcours. Et votre parcours de guérison. Je vous rappelle les cinq blessures, hein. On a donc la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet et l'abandon. D'accord? Ok, bon, on passe à la suite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez pris en maturité et sinon, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'est pas très mature. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. On vous dit attention au stalker. Stalker, si vous savez pas, pardon, si vous ne connaissez pas la définition, c'est un mot anglais qui veut dire quelqu'un qui vous suit, qui vous poursuit, qui vous traque, en fait, hein, d'accord? Suite à une séparation, on vous dit que c'est quelqu'un qui refuse de lâcher la maîtrise sur votre relation. Donc ça parle peut-être quelqu'un qui avait une emprise sur vous, hein. On vous dit que vous avez repris votre pouvoir. Ouais. On vous dit que vous avez demandé de l'aide à des amis, on vous dit qu'on vous l'a accordé, on vous dit que c'est une personne qui, de toute façon, sera toujours plus ou moins dans les parages, qui se cachera de toute façon. De toute façon, en général, les stalkers, vous les voyez pas, hein. Ils vous suivent et tout, mais vous le savez pas. Peut-être qu'un jour, vous tombez dessus, mais la majorité du temps, vous le savez pas. On vous dit de ne pas hésiter qu'à partir du moment où vous reprenez votre pouvoir, que vous prenez en maturité, en fait, cette personne. Alors attendez, j'ai plusieurs termes. J'ai parté du principe que ce stalker, c'est un cadeau mal emballé, on est en train de me dire. On me dit qu'en fait, c'est une façon de vous apprendre à reprendre le pouvoir sur votre vie, à vous affirmer et à reprendre le contrôle sur votre vie, sur la situation. Et on vous dit que même si ça paraît complètement dingue, on vous dit que c'est aussi une façon de vous montrer cette chose-là. On vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver, mais qui est pour le moment toujours dans son ego pour le moment. Mais ça va arriver, vous l'avez manifesté, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez fricoté, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Néanmoins, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une belle alchimie, une belle connexion. On vous dit que de toute façon, vous prenez en maturité. On vous dit que cette personne-là en face, là, qui est mauvaise, enfin, qui vous stalke, on vous dit que c'est quelqu'un qui est totalement immature. Et on vous dit de vous méfier de lui, parce que c'est quelqu'un qui vous fera des ennuis. Plus ou moins grave. Donc il faut faire vraiment très attention. C'est certainement quelqu'un avec qui vous venez de vous séparer et qui ne supporte pas du tout de vous voir évoluer, de vous voir prendre en maturité, de vous voir grandir, de vous voir glow up, quoi. Voilà. La personne en face de vous, alors que ce soit le mauvais, entre guillemets, ou le nouveau, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais. Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai une vibration de Lion quand même assez importante, mais ça peut être plutôt le Lion. Mais c'est un signe de feu a priori en face de vous. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être autre chose, mais en tout cas, c'est ce qui vibre.
Voilà, voilà mes petits Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, comme je vous l'ai déjà dit, ça me fait toujours plaisir de voir vos likes aussi. Le partage, ça peut toujours aider quelqu'un autour de vous qui aurait besoin d'entendre ça, surtout si vous, ça ne vous parle pas. N'hésitez pas, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Pour les guidances personnalisées, je suis disponible, n'hésitez pas. Alors là, GoldenEye, tout attaché à gmail.com. Dans tous les cas, je vous dis, prenez bien soin de vous. Attention aux stalkers, là, parce que ce sont des gens qui peuvent vous faire vraiment du mal. Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme d'habitude, keep cool and love. Bébé, dis-le moi, au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin, reste dans le tour de. Mon frère, au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de bas, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de.